Je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment au bout de ma vie, mais j'ai envie de pleurer. Je commence à souffrir, mais bien comme il faut quoi. Il y a un beau dénivelé positif, très peu ombragé, c'est vachement exposé en fait. Et là bien sûr ça tape dur comme fer. Bon, ça commence à se corser, le chemin devient de plus en plus compliqué, mais je pense qu'on n'est plus trop loin. Quand on dit que le chemin est dangereux, je vais bien le croire. Et cette partie là qui est extrêmement glissante, c'est sablonneux, c'est caillasseux, c'est toutes ces petites caillasses là. Quand tu fous le pied dessus, bah, t'as des risques de glisser, de rouler. Et là, si tu chutes, ben, je pense que ça fait mal. Mais c'est bien chaud là. Je crois qu'on est arrivé. Je ne peux plus. Bon, il y a moi qui ai l'habitude. On va dire que j'ai relativement de l'entraînement, puisque c'est mon quotidien. Je t'avoue que là, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie parce que c'est un bon petit dénivelé positif, mais c'est vachement accidenté, donc c'est pas le même effort physique. Parce que là, tu dois constamment rechercher ton équilibre pour pas te casser la gueule. Bon, surtout quand je suis chargé, comme là, ben, matos vidéo, je charge énormément en eau, puisque je suis expatrié et je lui fais boire un max. J'essaie de boire aussi régulièrement. Mais bon, tout ça, ça fait du poids. Il y a deux touristes anglais qui viennent de passer, un couple francophone, heureusement. Je leur ai demandé s'ils venaient de la forteresse, bon, ils m'ont dit que non, ils m'ont dit que j'étais carrément pas sur le bon chemin. Je viens de me taper 4 km et j'apprends que la forteresse est carrément l'opposé d'où je suis, quoi. C'est donné pour 25 minutes, je me suis tapé un peu plus d'une heure et demie de marche dans des conditions, on va dire, atroces. Je vais essayer de redescendre, ils m'ont parlé d'un chemin, enfin une petite bifurcation, je l'ai vu. Bêtement j'ai suivi Spikey, parce que bon lui il a l'habitude des chemins, bon effectivement il a pris un chemin, c'était pas le bon. Bon bah c'est sur la descente
sur la descente que je viens de voir là, que je viens d'apercevoir plutôt la forteresse. Donc effectivement j'étais à l'opposé, en fait je l'ai contourné par le dessus. Là je suis mort, hein, je t'avoue, j'en peux plus, je suis fracassé, mais bon j'y vais quand même. Alors j'ai trouvé un chemin, j'espère que c'est le bon, parce que là ce qui me fait peur c'est que le chemin est en descente. Mais il va en direction de la forteresse et c'est le seul chemin là que j'ai trouvé pour pouvoir y accéder. Donc on va le suivre, on va voir ce que ça donne, en espérant que ce soit le bon. Tu la vois là? Elle est là. Je suis pratiquement au pied. Elle est ici. Il va falloir que j'arrive à accéder au pied de la falaise et que je longe pour trouver un accès. Je pense qu'il y a un accès par là-bas. J'ai réussi à accéder à la rampe. Là, je suis pas loin d'effondrement, j'en peux plus. Je crois que même pas au chaberton j'étais dans cet état-là. Je suis en train d'avoir le vrai chemin. Ouais, c'est un fou lui. C'est un fou. C'est un chien tout terrain. Là, il m'a impressionné, je pensais pas qu'il allait faire ça. C'est la droite pour descendre. La forteresse c'est derrière. Et là. Je sais pas si c'est le bon chemin. C'est un autre accès, j'en sais rien du tout. C'est pas équilibré doucement. Stop. Ok. Bon, je vois pas d'autre accès. Bon, je suis pas sur le bon chemin, je confirme. Je ne vais pas passer par là. Bon, j'ai peut-être trouvé un accès. Ça risque d'être un peu chaud. Faut voir parce qu'il y a une source. J'ai juste voir que ce soit pas glissant. Bon, eh bien, la énième tentative. Je me vois contraint de me désister. Donc, je peux y aller. En vrai, je peux y aller, je peux escalader. Prendre un peu de risque, bien sûr. Mais Spikey, non, c'est trop chaud pour lui. Je viens de me prendre un big fail. Je crois que c'est le plus gros big fail depuis l'histoire de la chaîne. Il doit y avoir un chemin, il doit y avoir un accès, ça c'est certes. En descendant, je vais essayer de demander aux gens du coin. Je vais revenir avec la team. Et si on n'a pas d'accès, on va escalader tout simplement. On viendra avec l'équipement nécessaire. Et on se la fera. Je me prends cette tarte dans la gueule, quoi. Bon, mais écoute, j'espère que t'as bien rigolé, que cette vidéo t'aura quand même plu. Voilà, je me suis quand même fait chier pour t'apprendre, même si elle n'aboutit à rien. Et bien écoute, je te dis à la prochaine, moi j'essaie de rentrer. Allez, tchuss.